Bonsoir à tous et à chacun. Nous sommes là pour parler de femmes. J'aime dire, nous nous retrouvons entre nous dans le cadre de votre émission Podium F, Podium de la femme, les plateaux de la femme. Une opportunité bien offerte par la chaîne de référence Antenna en vue de permettre à la femme d'extérioriser ses qualités. Ici sur ce plateau, nous vantons le mérite de femmes en face de nous. Voilà. Alors, pour le numéro de ce soir, où nous allons, entre autres, parler des mots qui rongent la femme sur ce plateau, nous avons comme invité Madame Thérèse Muleka Mubikai, qui est présidente de l'ONG Bondeko, qui est basée à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Madame Thérèse est aussi cofondatrice du Harek Asbel. Voilà. Madame, bonsoir. Bonsoir madame, je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre plateau. Mm-hmm. Et pour moi c'est un grand honneur de faire votre connaissance et de faire la connaissance de votre émission. Mm-hmm. Voilà, dans l'ONG Bondeko, vous ne faites que vous aider entre les femmes qui habitent la région de Washington. Vous faites quoi d'autre de particulier? Mais je crois que au fait, l'association Bondeko a été mise sur pied en 2006. Mm-hmm. Et c'était ce qui nous avait motivé de la mettre sur pied. C'était à l'époque la souffrance de nos sœurs à l'Est. Et nous nous sommes dit qu'on ne devait pas s'asseoir croiser les bras parce que ces femmes-là, ce sont elles, mais c'est moi et c'est vous en même temps. Et c'est ça ce que nous avait conduit à créer l'association. Et à l'époque, nous avions travaillé avec une autre association qui est aussi pour les femmes, Women International. Ok. Et à travers cette association-là, cette organisation-là, on a pu faire une levée de fonds qui exactement avait atterri dans là où ces femmes-là se trouvaient, dans l'est du pays. Et en plus de ça, nous avons aussi nos projets sociaux et nous voulons aussi nous ouvrir à la société qui nous accueille, qui est américaine. Et c'est un peu ça, au fait, l'essence de cette organisation. Et ça fait combien de temps exactement que l'organisation existe et les résultats sont probants? L'organisation existe depuis 2006 et les résultats, comme vous dites, sont positifs. Nous avions fait la levée de fonds et l'argent est bien arrivé là où il devait aller. Et entre nous aussi, nous nous entraidons sur le plan social, sur le plan moral, parce que nous sommes des femmes. Et les membres du groupe, quand vous avez un problème, nous sommes toutes là et c'est un peu ça aussi. Et puis on a d'autres projets d'aider un peu plus ici au Congo, surtout dans ceux qui regardent la femme et l'enfant, c'est-à-dire les orphelinats par exemple. Combien de femmes exactement sont membres et la procédure d'adhésion pour les atteindre? On sait que vous n'êtes pas ici à Kinshasa, vous êtes ailleurs et c'est pratiquement difficile de vous réunir. Non, je ne pense pas que ce soit tellement difficile. Bon, on a eu un peu quelques difficultés lors de la période de Covid, parce que là, on a fait 2-3 réunions online, par Zoom. Mais généralement, nous nous retrouvons une fois par mois. Et les critères d'adhésion sont très très simples. On doit payer les frais de, je dirais, membership. Et bon, si vous êtes une femme africaine, vous venez, une femme congolaise, donc voilà un peu. Et on a aussi nos statuts qui sont très simples. C'est-à-dire que vous êtes là, on a une mission, on est apolitique. Et bon, toutes celles qui veulent participer à ça le font volontiers, chacun. Parce que dans une organisation, dans une association, il y a toujours diverses qualités, il y a toujours diverses personnalités, il y a toujours divers talents. Donc, tout ça mis ensemble, nous nous encourageons à faire ce que nous pouvons avec les talents, les qualités et l'expertise que nous avons. Combien de membres jusqu'à maintenant? Nous sommes, pour l'instant, je ne vais pas vous donner un chiffre, nous sommes une vingtaine en fait. Et vous vous auto-évaluez comment? Nous nous auto-évaluons par les réunions que nous faisons.
si nous avons un problème, mettons pour les finances, on va regarder ce qu'il y a dans la caisse et puis on encourage parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On encourage les membres à participer financièrement parce qu'il faut payer un droit d'être là. Et quand quelqu'un a un deuil, par exemple, nous sommes dans l'obligation de l'aider. Voilà. Et ça, c'est obligatoire. Mm-hmm. Quand quelqu'un a une maladie, on est là, celles qui peuvent aller soutenir voilà. la personne sont là. Donc, je comprends bien que la situation de l'Est et de la RDC vous préoccupe au plus haut point. Mais vous vous organisez comment pour arriver à vous retrouver en face de cette femme-là? Parce qu'on sait que pour la situation de l'Est, ce sont les femmes et les enfants qui sont de premières victimes. Absolument. Vous vous organisez comment pour palper du doigt, vous-même, personnellement, la réalité de cette femme qui croupit dans la misère? Au fait, moi, personnellement, parce que j'étais là il y a un temps, je suis allée jusqu'à Panzi. Et j'ai vu ces femmes-là. J'ai vu le travail que Dr Mukwege fait pour ces femmes-là. Mm-hmm. Et c'est un travail fantastique. Mm-hmm. Et je vous assure que quand j'y étais moi-même personnellement avec un autre membre du groupe, ce sont des réalités qui vous percent le cœur. Hein, mm-hmm. Quand on vous raconte, quand elles vous racontent tout ce qu'elles ont eu, vous vous dites, mais pourquoi l'être humain doit faire souffrir un autre mm-hmm. être humain et mm-hmm. surtout la femme? Et je pense que dans nos activités qui vont venir, nous allons voir un peu comment encore tendre la main mm-hmm. à ces femmes-là et continuer à faire ce que nous devons faire. Mm-hmm. En plus de ça, il y a encore d'autres projets. Hein. Ici, on a les femmes et les enfants aussi. Mm-hmm. Tout à l'heure, ces femmes qui passent nuit à la Belle Étoile, voilà. Les enfants qui étudient presque pas, le peu qui fréquentent l'école, étudient même les sols, en tout cas. C'est vraiment déplorable la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. L'ONG dont vous coordonnez, c'est Bondeko, vous donnez la peine de venir entre autres en aide à la femme victime des atrocités à l'Est de la République démocratique du Congo. L'année 2023 touche presque à sa fin. Et c'est une nouvelle année qui va commencer bientôt, dans un mois et demi ou deux mois, ainsi de suite. Vous ne pensez pas changer la donne? Vous comptez améliorer les choses comment pour toujours continuer à apporter ce que pouvez en guise de soulager tant soit peu les calvaires de la femme, particulièrement de l'Est? Bon, je crois qu'il y a lieu, au fait, de... À l'Est, là, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'organisations qui s'occupent de ces femmes-là. Mmh. Et nous, on entend aussi que notre... Parce qu'on ne peut pas seulement s'asseoir quelque part et regarder cette souffrance-là comme ça. Et personnellement, je pense que, comme je ne connaissais pas encore ces organisations-là, je pense qu'il y a lieu que nous, en tant que Bondeko, nous nous mettions avec celles-là qui sont beaucoup plus près des femmes qui souffrent à l'Est pour essayer d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice, comme on dit. Mm-hmm. On ne peut pas parler des Bondeko sans parler de commencer par Bobotu. Oui, c'est dans la même famille des mots. Hein. Mm-hmm. Parce que quand on parle de Bondeko, Bondeko c'est quoi? Le terme en général, ce que moi je comprends, c'est-à-dire c'est la fraternité. Mm-hmm. Et qui parle de fraternité, c'est... tendre la main à mm-hmm. l'autre qui mm-hmm. est dans la détresse, par exemple. Et quand vous avez tendu la main à celle ou à celui qui est en détresse, ça vous amène, ça vous donne un sentiment de paix, parce mm-hmm. que vous dites, bon, on ne peut pas soulager toutes les misères, hein, mais un petit point que vous mettez dans la société compte toujours, parce que la société est faite de plusieurs petits points. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que moi, je le comprends. Merci pour cet éclairage, Madame Thérèse. Dans cette émission, nous avons jugé opportun marteler sur le mot qui ronge la femme. Mais avant d'entrer dans le but de notre sujet, comment peut-on définir la femme? On se connaît, oui. Il y a des femmes en face de vous, téléspectateurs, composées des femmes et des hommes genrés. Mais comment est-ce qu'on peut définir la femme?
Moi, je définis la femme comme, au fait, pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui prient, Dieu créa d'abord l'homme et il avait trouvé que l'homme était seul. Et il créa la femme. Tout le monde connaît cette histoire-là. Mais je crois que la femme est un être à part entière, égal à l'homme dans l'humanité, dans notre humanité. Et la femme, c'est celle, c'est cette personne-là par laquelle la vie est vie. Parce que nous passons par le corps de la femme pour vivre. Vous et moi, nous avons des mamans, et c'est pareil pour toute la société, tout le monde entier. Donc la femme, c'est cette personne importante qui fait que la société, la continuité persiste. Sans elle, je crois qu'on n'a jamais appris qu'il y a un homme qui a donné naissance quelque part. Donc voilà. Pouvons-nous parler alors de caractéristiques d'une femme? Au fait, moi, je définis la femme comme... bon, c'est ma définition, hein, elle peut être dans le dictionnaire. Et ça va passer, hein? Ah oui. Je définis la femme comme l'être le plus fort sur cette terre des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, souvent, et surtout dans notre société, dans les sociétés passées, elle porte toujours beaucoup de poids sur ses épaules et sur son dos. Une femme peut sortir et rire, rigoler, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit réellement. Donc la femme, c'est cet être-là fort, malgré que parfois on veut nous montrer que c'est un être faible. Non, il est même plus fort que l'homme, hein, à mon avis. Et la femme est-elle un être inférieur? Parce que oui, parce qu'on m'avait parlé de la Bible, Dieu a commencé d'abord par créer l'homme et il a soutiré la femme de l'homme. Oui. Ce qui explique qu'elle soit un être inférieur. Absolument pas. Moi, je ne dirais pas ça, au contraire. Bon, là, on va peut-être se fourvoyer dans la théologie que vous et moi, nous connaissons, hein, à notre niveau. Mais je pense que si vous êtes là et qu'on vous dise que voilà, comme vous êtes là, on va vous donner quelqu'un qui va vous aider. C'est que vous qui êtes déjà là, vous êtes fort, mais pas très fort, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui doit vous aider. Donc, moi, je ne dirais pas que la femme est un être inférieur, même si, d'après la Bible que nous lisons, Dieu l'a sortie des côtes de l'eau. Il y a des points de convergence entre la soumission et du fait d'être inférieur. La soumission, je crois que... Vous savez, quand nous rentrons dans les cultures, les différentes cultures, c'est vrai. Et même aujourd'hui, parfois c'est très malheureux parce que ça fait très mal au cœur. On pense que la femme, c'est l'être inférieur. Dans certains pays du monde que vous connaissez, une femme ne peut jamais avoir un compte en banque. Quand elle doit sortir, il faut qu'elle sorte avec un homme. Même son bébé de 2 ans qui est un homme, elle doit être avec elle parce qu'on pense que la femme est immature. On pense que la femme n'est pas émancipée. Mais moi, je ne dirais pas ça. Je pense réellement que soumission, c'est un mot qui, sur lequel on peut avoir d'autres débats. Hein. Mais pour l'instant, je maintiens, je dis que la femme, ce n'est pas un être inférieur. Et s'il faut marteler sur son rôle, le rôle de la femme dans la politique, le rôle de la femme dans l'éducation, les rôles de la femme dans le travail, et pourquoi pas les rôles de la femme dans la famille. Allons point par point. Le rôle de la femme dans la politique d'abord. Le rôle de la femme, moi je commencerai peut-être par le tout dernier. Le rôle de la femme dans la famille. Dans la famille. Et c'est bien dit que la femme, c'est celle qui préserve le foyer. Et le foyer, quand nous regardons, à l'époque de nos grands-mères, hein, je ne sais pas si vous avez vécu au village, moi je n'ai pas vécu. Mais c'est la femme qui garde le feu parce qu'elle doit l'allumer pour faire à manger et toutes ces choses-là. Et quand elle allume, c'est pour maintenir la bonne santé de sa petite famille. Et d'une femme, comme nous le savons, sorte de président et tout un tas de personnes qui ont beaucoup d'expérience. Mais pour que ces personnes-là
deviennent ce qu'elles sont, il a fallu qu'il y ait une femme à leur chevet depuis qu'ils sont petits, une femme qui les nourrisse et qui les fasse grandir. Mais maintenant, quand nous rentrons en politique, par exemple, oui, bien sûr, je ne vois pas pourquoi la femme ne doit pas assumer les grandes fonctions politiques. Et c'est très, très important. Parce que nous voyons dans certains pays, il y a eu des grandes femmes qui ont bien assumé les fonctions politiques. Je ne vois pas pourquoi la femme doit être exclue de ces fonctions-là. Et pour arriver à ces fonctions-là, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Quand j'étais jeune fille, j'attendais avec impatience le journal télévisé de 20h. Wow. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais, je ne dis pas une adoration, mais c'était ces journalistes-là qui étaient une émulation pour moi. Mm-hmm. Bon, si vous voulez, je peux citer un ou deux. Ça ne dérange pas. Ce n'est pas Chantal Kanyimbo, non. Donc... Et c'était qui? C'est pas C'était Pauline Kabangu, ah, okay. Il y avait Mbungu Chibangu, il y avait Jenny Lapé. Et j'attendais impatiemment le journal. Ce sont les noms de nos aînés. De vos aînés. Pourquoi pas... Voilà, voilà. Et pour moi, je trouvais qu'un jour, j'aurais voulu aussi être ces femmes-là. Mais pour être comme ces femmes-là, ça signifie qu'il faut être éduqué. Et l'éducation... Ça commence à partir de la famille. Parce que parfois, on a l'impression que l'école, c'est l'élève et le maître ou la maîtresse. Non. L'école, ce sont les parents, l'élève, et puis le maître et la maîtresse. Tout ça, c'est et un tout. Et l'école, c'est l'instruction. Voilà. Okay. Tout ça, c'est un tout. Et on n'est pas seulement instruit à l'école, même à la maison, et on est aussi éduqué à l'école. Pourquoi je dis ça? Parce que l'école nous donne les atouts. Bon, si vous voulez être médecin, oui, il faut passer par l'école de médecine. Et puis, mais l'école nous donne aussi l'éducation qui commence à la maison. Et à la maison, ce sont les valeurs que nos parents nous inculquent. Et ces mêmes valeurs-là, on doit aussi les retrouver à l'école. Du moins, l'école dans laquelle moi j'ai été, c'était ça ce qui est à l'école. Voilà, selon la théorie économique, les rapports de force dans les foyers devraient conduire à travers un processus de négociation coopérative entre les membres. Est-ce vrai? Parce qu'on a parlé de la femme dans la famille. Comme vous savez, la famille... C'est une société en miniature. Dans la famille, comme vous savez, nous avons le chef de famille, qui est le papa. Et puis la mère aussi, c'est la sous-chef, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a les autres membres de famille, qui sont les enfants, qui seront éduqués selon une ligne que les deux parents ont choisie. Si je prends, c'est un exemple peut-être... pas pour minimiser, je dis que bon, nous sommes une famille chrétienne, protestante par exemple, oui, les enfants commenceront dans l'église protestante, ainsi de suite, et si nous sommes une famille musulmane, pareil, donc dans la famille, je ne pense pas qu'il y ait, il y a plus, c'est, au fait, à mon avis, c'est une entraide entre tous les membres, mais n'empêche que, comme dans toute société, il y a celui qui dirige et ceux qui, jusqu'à un certain moment, vont suivre. Les préférences de chacun devaient être respectées, n'est-ce pas, le mieux possible? Absolument, absolument. Parce que chaque enfant, moi je suis une mère et j'ai les enfants, chaque enfant est différent de l'autre, même les jumeaux. Ils se ressemblent, surtout les vrais, ils vont se ressembler, mais chaque jumeau a ses caractéristiques, a ses talents, a ses forces, et c'est comme ça que la société survit. Là, vous avez parlé du rôle de la femme dans la politique, dans la famille, dans la politique, et c'est un peu de marteler sur le rôle de la femme dans l'éducation et le travail. Moi, je crois qu'il y a, un proverbe qui dit « éduquer une femme ». C'est éduquer une nation. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'une femme éduquée saura d'abord suivre le travail des enfants à l'école.
Moi, par exemple, je donne mon cas, je me dis, ma maman ne parlait pas français, donc ce qu'on faisait à l'école, elle ne pouvait pas suivre. Mon papa, bon, comme tous les parents à l'époque, hein, le papa est parti au travail, quand nous revenons de l'école, papa n'est pas encore là, donc on était obligés, souvent, pas on était obligés, on faisait souvent les devoirs seuls. Mais il se fait que si votre maman a eu une éducation que vous avez, c'est sûr qu'elle va comprendre ce que vous faites à l'école, elle suivra bien votre travail scolaire. Et cette maman-là éduquée saura bien tenir son ménage sur le plan financier, sur le plan émotionnel et sur tous les plans. Je ne dis pas que les mamans qui n'ont pas été à l'école ne font pas ça. Elles le font aussi, mais à leur façon. Les mamans qui n'ont pas été à l'école souvent brillent par la sagesse. Absolument. Ce sont de femmes sages, c'est ça. Parce absolument. Que nos parents, le parent, nos aïeux, les parents de nos parents n'ont pas fréquenté l'école, mais absolument, ils ont formé nos parents. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord. L'éducation est au rabais maintenant avec nous, les parents qui ont étudié, mais nos grands-parents qui n'avaient presque pas étudié ont su bien éduquer nos parents. Absolument, mais vous savez pourquoi? Vous expliquez ça comment? J'explique le fait que nos aïeux, nos grands-parents, avaient toutes ces valeurs-là ancestrales en eux. Le respect de l'aîné, la politesse. Et comme c'était, malheureusement, je vais dire des choses que je n'ai pas vécues moi-même, dans les sociétés rurales d'antan, la maman se réveillait, les gens vivaient de ce qu'ils produisaient. La maman se réveille, elle va au champ, le papa va peut-être à la chasse, et quand c'est 4 heures ou 5 heures de l'après-midi, la maman rentre et commence à préparer le repas et s'occuper de sa petite maisonnée. Entre-temps, le papa qui est parti aussi, il va amener, je ne sais pas, un gibier ou si pas un oiseau, je n'en sais rien. C'est bon. Et c'est comme ça que les choses se faisaient. Et dans ces sociétés d'antan-là, les enfants avaient ce respect, cette vénération pour les parents, pour les grands-parents. Et la tradition se transmettait comme ça. Et je dirais que ces femmes-là sont vraiment des héroïnes, hein, à mon avis. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ce sont des femmes fortes. Elles ont été très très fortes pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La femme est-elle un homme économique comme les autres, vous pensez, Madame Thérèse? Ça me fait rigoler. Vous savez pourquoi? Parce que vous dites, la femme est-elle un homme économique? Oui, la femme est un être économique. Parce que de nos jours, dans notre pays, on voit beaucoup de femmes. Et moi, je commencerai à citer d'abord toutes ces mamans maraîchères pour qui j'ai beaucoup de respect. Du moins dans la ville de Kinshasa, c'est elles qui nous donnent, qui nous nourrissent de ces bons légumes que nous mangeons. Et ces femmes-là, ce sont des braves. Le peu qu'elles font, c'est pour leurs enfants, pour éduquer leurs enfants. Et même, le peu qu'ils font là, parfois, n'est même pas suffisant pour la bonne nutrition de leurs enfants. Ça, c'est un. Quand nous prenons seulement notre pays, puisque la femme est un être économique, et nous vivons, du moins ici à Kinshasa, dans une économie informelle qui surplante même l'économie, la grande économie. On a partout là des petits marchés, des petites boutiques, des ateliers de couture, tout un tas d'activités qui foisonnent autour de la femme. Et quand on prend le phénomène Malewa, les restaurants de rue, bon, c'est la femme. Donc la femme a son rôle tellement important dans la société. Mais maintenant, ce que moi je pense, pour cette femme-là, celle qui va naître, celle qui va grandir, et celle qui va aspirer, au fait, à être aussi cet être économique qui va influencer le développement du pays, il faut que la base soit garantie. Et à mon avis, la base, c'est l'éducation et la bonne éducation. Donc voilà, c'est un peu ça. Parce qu'à Kinshasa, aujourd'hui, on le voit, il y a ces foyers où, avec les réalités économico-structurelles, avec...
la perte d'emploi, les taux de chômage revient à la hausse, les hommes ne travaillent presque pas, et ce sont les femmes avec de petites activités arrivent à nouer les débuts du mois. Ça s'est fait ici à Kinshasa. Alors ce sont des femmes à encourager, ce sont des femmes à valoriser, mais une question me vient aussi en tête. S'il est plus moral de voir la femme comme des êtres, avoir les femmes comme des êtres humains à part entière, que comme des travailleurs gratuits dans le foyer, qui en plus ne reçoivent aucun salaire. La femme demeure inférieure, n'est-ce pas? Ou marginalisée, n'est-ce pas? Marginalisée, oui, inférieure, pas. Parce que vous venez juste de le dire, celle qui le matin se lève, alors que son mari n'a pas de boulot, elle va se mettre, je ne sais pas comment vous appelez, à son baboula, comme excuse le terme, pour faire les beignets. Celle-là, ces beignets-là, c'est ça ce qui amène l'argent à la maison et que les enfants aient au moins un seul repas par jour. Mais quand on parle de marginalisation, effectivement, ce que je vois et ce qui est un peu triste à mon avis, c'est que certaines femmes se laissent un peu faire parce qu'il y a les pesanteurs culturelles. Il y a de ces hommes qui, carrément, on dit à la femme que, bon, moi, je vous ai épousé et j'ai payé mon argent. Mais la femme, ce n'est pas une marchandise qu'on va aller prendre, ce n'est pas une bête de somme qui vient pour travailler parce qu'on l'a achetée. Et moi, je pense que c'est, même quand on dit que, bon, je vous ai doté. Bon, la dot, c'est un peu l'argent, mais la dot n'est qu'un symbole. Symbole juste pour honorer cette femme que vous allez prendre en mariage. Absolument, la dot n'est qu'un symbole pour dire qu'il y a deux familles qui vont former une alliance. Et ces deux personnes-là, maintenant, vont former leur propre unité. Et la femme qui est dans cette unité-là ne doit en aucun cas être présentée comme une personne inférieure. Je dis bien ne doit en aucun cas subir les maltraitances de tout genre et de toutes sortes. Madame Thérèse, vous trouvez que l'égalité de sexe est efficace ici en République démocratique du Congo? Ici en République démocratique du Congo... Ou a des effets indirects positifs sur le développement économique? Je pense que l'homme et la femme doivent être égaux. D'abord, ils sont égaux devant la loi. Ça, c'est très important. Donc, si vous êtes égaux devant la loi, il n'y en a pas un qui va surplanter l'autre. Et comme vous venez de le dire, dans les familles, deux salaires, c'est toujours mieux qu'un seul salaire. Et ça, on le sait, on le connaît, c'est une vérité de l'humanité. Mais maintenant, si cette femme-là, qui est là, qui apporte son dû, je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à penser que la femme est un être inférieur. Elle ne l'est pas. Je ne sais pas si vous pensez que vous êtes un être inférieur. Moi, je ne le pense pas comme ça. Je ne le pense pas. Si le féminisme se justifie politiquement, ne se justifie-t-il pas économiquement? Non, je crois que les deux, elles se justifient économiquement et politiquement. Pour les féministes, au fait, enfin, moi je pense que ceux qui sont, ou celles qui sont féministes, revendiquent seulement le droit d'être reconnues, l'égal de l'homme sur tous les plans du travail, le plan, sur tous les plans, en fait. Et je pense que celle qui se dit féministe de la première heure va bien travailler aussi dans la société, parce que dans la société, elle ne va pas travailler qu'avec les femmes. Au contraire, quand elle va arriver, elle va revendiquer ses droits. Le développement économique ne passe pas nécessairement par l'égalité des sexes et la liberté de femmes. Bon, je crois que l'égalité économique, à mon avis, passe d'abord par l'éducation. Le développement économique. Le développement économique. Est lié à l'égalité des sexes ou à la liberté de la femme? Je crois les deux. Parce que quand vous parlez d'égalité de sexe, c'est que la femme est libre. Elle n'est pas
elle ne va pas se sentir inférieure à l'homme en tant que actrice du développement. Donc, je ne pense pas que tout ça se lie. Il n'y a pas infériorité, il n'y a pas supériorité. Il y a plutôt liberté. Voilà. Il n'y a pas longtemps, l'ONU a annoncé comme troisième objectif du millénaire pour le développement, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui rongent la femme et empêchent son développement. Il y a beaucoup à faire au niveau de la femme. Commencer à extirper la peur, commencer à redynamiser les femmes qui sont dans des structures, dans des organismes, dans des structures qui gèrent les femmes. Mais ces messages de l'ONU, vous pensez que ça va soulager tant soit peu les préoccupations de femmes? Ça fait partie des politiques locales où la femme ne doit pas être discriminée de quelque manière que ce soit. La femme est là. C'est la femme qui fait progresser la société. Et cette femme-là, c'est un pion indispensable pour le progrès de la société en général. Voilà, madame Thérèse, une femme battante, une femme qui se distingue. Tenir une ONG à l'extérieur de notre pays, et plus particulièrement à Washington, ce n'est pas quand même chose facile. C'est réservé aux femmes dynamiques, aux femmes qui veulent ressortir leur performance. Ces femmes qui haussent le ton, ce sont des femmes à féliciter et à encourager particulièrement. Et votre ONG, pour en rappeler aux téléspectateurs, c'est l'ONG Bondeko. Moi, je me dis, il fallait compléter l'appellation de l'ONG. L'ONG Boboto Bondeko, ça serait beaucoup plus intéressant. Là, parlons de la réduction des inégalités en cette période. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est une période électorale. Il y a un engouement de femmes jusque-là. La CENI va nous éclairer là-dessus. Les femmes ont beaucoup postulé, que ce soit dans la députation nationale, provinciale, voire même à la magistrature suprême. Il y a une femme qui a postulé, c'est Madame Marie-Josée Ifoku. S'il faut parler de la réduction des inégalités en cette période, vous direz quoi exactement? Mais je pense que moi, je pars du principe que il faut qu'il y ait l'égalité pour tous. Hein. Ceux qui ont, ou celles, on parle de la femme, celles qui se sentent capables, qui ont l'expertise, qui ont toutes les valeurs morales dont on a besoin, je ne vois pas pourquoi on doit les exclure de ce processus-là. Et comme vous l'avez dit, oui, il y a beaucoup de femmes qui ont postulé pour la députation. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, ce que moi je vois personnellement, ce qui est un peu triste à mon avis, certaines d'entre nous, vous savez, ce n'est même pas une... ce n'est pas un secret, vous êtes là, bon, c'est bien, la députation, ça paye bien... Vous voyez, vous sortez, quand ça vous prend, vous distribuez les pagnes, les t-shirts. Les émoluments des députés, ça nous trouble. Hein. Et on veut tous se retrouver mais un la député, chambre basse du Parlement. Oui, un député, c'est qui? C'est cette personne-là qui est là, qui se bat pour moi. Moi, je suis tout le monde. Et si j'ai un souci quelconque dans mon quartier, certaines personnes vivent, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de route. Ah, moi je me pose la question. Qu'est-ce que madame la députée fait effectivement pour moi? Et d'autres sont... Bon, c'est bien, vous êtes députée provinciale. Mais normalement, c'est la province qui vous a élu. Vous devez être là-dedans. Vous ne devez pas être ici à Kinshasa. Malheureusement, c'est ça c'est que ça. Nous voyons. Et surtout ces derniers temps, avec le plus... Parce que le mois de novembre, c'est un mois pluvieux, ça commence déjà fin octobre, donc nous avons déjà commencé avec des pluies qui arrosent la ville de Kinshasa, et après la pluie, c'est pas les beaux temps à Kinshasa, il faut voir, il y a des inondations, si on prend Kalamu, des inondations, il n'y a pas de caniveaux, il y a l'insalubrité grandissante,
ainsi de suite. On ne sait même pas sortir sous la pluie, voire après la pluie. Il faut attendre même 2 heures après la pluie pour vaquer librement à nos occupations. Alors tout ça là, ce sont des problèmes. Parce que les femmes même qui vendent, on parle de mots qui rongent les femmes. Les femmes qui vendent, généralement, elles étalent leurs histoires, même les sols aussi. Elles vendent, vous verrez, le feuille de manioc et autres légumes, elles étalent ça presque par terre, dans les immondices, dans le saleté, le grand marché. On ne saurait pas mettre le pied là-bas après cette pluie, ainsi de suite. Tout ça là, c'est toujours la femme qui est victime. Non, non, tout ça. Moi, j'ai vu ça aussi une fois. Je passais sur rond-point Ngaba. Hein. Enfin, je me dis, mais... En plein 21e siècle. Oui, c'est pas possible. Mais vous voyez les dames avec leurs marchandises dans la boue. Et juste à côté, c'est une montagne d'immondices. Mais je crois que nous devons... Parce que, bon, c'est vrai. Ces femmes-là et tous ces commerçants-là, vous devez prendre soin de votre espace. Mais quand vous avez collecté toutes les saletés qui sont autour de vous, par exemple, hein, c'est un exemple, vous allez les mettre où? Et maintenant, ces saletés-là, ça moncelle. Il y a problème. Mais bon, je ne suis pas habilitée à... C'est ça. Il y a des femmes qui sont même exposées, surtout des femmes qui vendent à même le sol, à des risques d'électrocution. Pourquoi? Parce qu'il y a des câbles dénudés jusqu'à côté, ces femmes ne s'en rendent pas compte, et par pluie il y a des irréparables qui se produisent, et ça cause, ça affecte beaucoup de familles, ainsi de suite. Donc tout ça là, ce sont des problèmes. Donc raison pour laquelle on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de réduire les inégalités en cette période électorale, en cette période où les pluies, Madame la pluie et des retours, ainsi de suite, tout ça là, il faut trouver des solutions. Mais je ne pense pas qu'il faille seulement réduire les inégalités sociales parce que nous sommes dans la période pré-électorale ou électorale. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Moi, je dis ceci. Dans une commune, je prends la commune de Bandalungwa, comme ça au hasard, le maire de la commune, c'est lui, le président de cette commune-là. À ce niveau-là, lui doit faire ce qu'il doit faire pour que sa commune soit propre. Et si on va encore en province, un gouverneur de province, c'est lui le président de cette province-là. Ce n'est même pas au niveau de ces pauvres dames-là. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de calamités qui n'ont aucune ressource. Où est-ce qu'ils vont aller vendre? Et s'ils ne font pas ça, comment les enfants vont vivre? Madame Thérèse, vous pensez que les femmes sous-exploitent leur capacité productive? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que les femmes sous-exploitent leur capacité productive. Prenons encore le cas de nos braves mamans maraîchères. Elles font ça. Certaines n'ont pas de qualification ou d'expertise ou d'éducation. Mais pour ne pas rester à la maison, elles vont faire ces champs-là, elles vont amener leurs produits sur le marché. Donc pour ces dames-là, que j'admire énormément, elles ne sous-exploitent là leur capacité, au contraire. Et je crois que c'est ces femmes-là que nous devons voir et suivre. Pour parler de femmes qui sous-exploitent leur capacité productive, n'est-ce pas les aider conduirait à un développement de la croissance, n'est-ce pas une croissance qu'on dirait rattrapée? En quelque sorte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi je suis tout à fait d'accord avec vous? Je crois qu'en termes d'éducation, il faut qu'il y ait des structures qui accueillent ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là. Et dans notre pays, oui, le président l'a dit, éducation gratuite, c'est bien. Mais il faut que nous suivions avec des plans concrets, créer des écoles de formation technique et encourager toutes ces femmes-là à aller avoir l'expertise dans des domaines différents. Et je suis sûre que si elles sont bien encadrées, ça fera l'affaire. Voilà, merci beaucoup. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Madame Thérèse Moleka est également cofondatrice du rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC, cofondatrice. Est-ce qu'en peu de mots, vous pouvez nous parler
de cette ASBL qui gère entre autres les intellectuels congolais. Je suis cofondatrice de RAREC, qui est le Rassemblement pour la Renaissance du Congo. Au fait, ce que nous faisons dans notre ASBL, c'est juste le réarmement intellectuel. Et quelle est la place de la femme? Donc, la place de la femme est là, 100%, et nous encourageons toutes les femmes à venir voir ce que nous faisons, à venir réfléchir avec nous. La voix de la femme est écoutée au sein du RAREC? Mais bien sûr, puisque moi-même je suis la cofondatrice, comment on peut ne pas écouter la femme? Donc je suis là, la femme est là, elle produit, Et pourquoi écoute. Pas une femme a été cooptée, président de la République par exemple, le choix s'est dirigé vers un homme? Là, je crois que nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Ce sera peut-être... C'est une petite question piège, voilà. La réponse viendra dans la prochaine émission, en fait. Voilà. Là, on parlera de RAREC, tout simplement. Voilà, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission, Madame Thérèse Moleka. C'était un plaisir énorme d'échanger avec vous. En 2-3 minutes, un message particulier adressé aux fidèles téléspectateurs composés de femmes, des hommes genrés et les restes. Non, je crois que je vous remercie d'abord pour votre émission, votre très belle émission. Merci, madame. Qui donne la voix à la femme. Et j'encourage toutes les femmes, quelle que soit leur capacité de travail intellectuel, que madame Adèle est là pour les écouter et pour échanger. Merci beaucoup. Et je pense aussi que, bon, j'appelle aussi les hommes à écouter et à suivre ce genre d'émission. Parce que l'homme et la femme, en fait, sont deux êtres qui doivent vivre ensemble, en symbiose, si on peut dire. Donc, je crois que c'est une très, très bonne chose. Et comme je vous l'ai dit, la fois prochaine, je viendrai pour parler de RAREC. Voilà, merci beaucoup, madame. Nous vous remercions une fois de plus. C'est la fin de cette émission. C'est avec madame Thérèse Moleka Mubikai, présidente de l'ONG Bondeko, qui est basée à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Elle est aussi cofondatrice du RAREC ASBL, que nous venons d'échanger sur le mot, entre autres, qui ronge la femme. Nous avons parlé aussi de son ONG, comment les choses évoluent de l'autre côté. Tout semble bien s'est passé. Voilà, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire Podium F, le plateau de la femme. Mais la rediffusion, c'est déjà demain vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Vous voulez participer, les femmes, il faut nous appeler au 081-94-95-181. Merci aux preneurs de vue, merci à la réalisation, à la chaîne de référence Antenna pour ces programmes particuliers. Les femmes, nous nous retrouvons entre nous. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Une très belle soirée à tous et chacun.